Si le régime chinois s'est fortement plaint de la visite entre Obama et le Dalai Lama, il n'a pas hésité à organiser une fête d'anniversaire pour le président Mugabe du Zimbabwe, considéré par beaucoup comme un despote. Ce n'est pas le premier geste de la Chine envers des régimes totalitaires. Les autorités du Parti communiste chinois ont annoncé lundi dernier qu'elles avaient organisé une fête d'anniversaire pour le président du Zimbabwe Robert Mugabe, leader décrié par beaucoup de citoyens de son pays et homme généralement considéré comme un despote hors de son pays. On peut voir une photo du président fêtant ses 86 ans sur le site internet du ministère des Affaires étrangères, faisant un signe de la main aux 100 invités présents à l'ambassade chinoise de Harare. Les associations des droits de l'homme ont souvent critiqué le régime chinois pour les signes d'encouragement offerts à des chefs totalitaires africains tels que Mugabe. Le régime chinois s'est engagé à aider les pays africains à l'aide de plusieurs milliards de dollars en échange de matériaux bruts dont il a besoin pour agrandir ses infrastructures.